Approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai les grandes choses et les choses cachées et que tu ne connais pas. Tu vas maintenant parler à ton Dieu. Tu vas lui présenter tes besoins.
Prions. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Présente aussi au Seigneur. Présente aussi au Seigneur. Présente aussi au Seigneur. Capable de décanter nos situations, capable encore de diminuer, capable de restaurer, capable encore de décanter, encore une situation. Nous comptons sur ta main, nous comptons sur ta souveraineté. Oui, tu es vivant et puissant, Jésus. Tu es vivant et puissant pour notre Dieu. Comme pour toute ta grâce. Merci parce que tu es Dieu. Merci parce que tu es vivant. Merci, mon Dieu. Merci. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Oh oui, par mon esprit, dit le Seigneur. Cette montagne. Cette montagne se déplacera. Alléluia. Merci à ton Dieu. Merci.
Faites ce qu'il vous dira. Amen. Alléluia. Amen.
Vous voyez, Jésus-Christ, dans son ministère, a pris le temps. Jésus, il avait pour mère biologique Marie. Mais Jésus, c'est un homme d'esprit. Il avait un but sur cette terre, c'est d'accomplir la volonté de celui qu'il a appelé. Amen. Amen. Il démarre le ministère. Sa maman savait qu'en lui, il y avait quelque chose de puissant. Et que c'était lui la solution à toutes sortes de problèmes. Amen. Amen. Qu'il y a une fraction de seconde, il pouvait décanter des situations. Et on les invite à un mariage. Le vin a manqué. Certainement, ils ont approché la mère pour dire, il faut négocier près de ton fils, parce qu'on a besoin d'un miracle. Amen. Amen. Elle a approché, c'est son fils. Tu sais, il y a tellement de choses. Les gens attendent beaucoup de toi. Fais un miracle. Amen. Amen. Dans ce cadre-là, ce n'est pas une question de maison. Ce n'est pas une question de maman, là. C'est une question de se laisser conduire par Dieu. Donc, qu'est-ce que du coup il dit à sa mère? Non. Femme, c'est pas à toi d'orienter le prophète. C'est pas à toi de dire au prophète ce qu'il y a à faire. Alors, donc je vous dis ce matin, ce n'est pas à vous d'orienter un ministère prophétique. Vous pouvez même être là. Je peux avoir peut-être une révélation et puis ne pas la partager parce que Dieu ne veut pas qu'on la partage maintenant. Amen. Je suis en train de vous expliquer le principe du prophétique. Pour ne pas que vous soyez choqués, pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Il dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Donc j'avais dit, il y a une heure. Et quand nous étudions un peu la mort de Lazare, sa résurrection, dès que les gens sont venus vers Jésus, Jésus n'est pas allé tout si tôt. Il a attendu le temps. Et quand on est dans le temps de Dieu, il y a un grand miracle. Mon heure n'est pas encore arrivée. Et regardez ce que la femme, elle dit, voilà, faites tout ce qu'il vous. Ça c'est clair. Ça dit, ce n'est pas vous qui orientez le prophète. On a l'intention que c'est les gens quand ils viennent, et ils ont les, c'est eux qui doivent orienter le ministère prophétique. C'est eux qui doivent dire comment le prophète doit faire, ce qu'il doit faire. Non, c'est le prophète qui doit vous orienter. Dès que vous venez ici, nous avons les yeux à main, nous prions. C'est Dieu qui vous oriente cette fois-ci. C'est pour ça que la Bible dit, confiez-vous à ce prophète et vous recevrez. Donc ici, beaucoup de patience. Amen. Voilà, vous devez être beaucoup patient. Et quand on n'est pas patient, on rate beaucoup de choses dans le ministère prophétique. Il faut beaucoup de patience. Le prophète devient guide. Et quand je suis dans le secret, j'ai prié pour vous. J'ai prié pour vous dans le secret. Amen. Amen. Non, est-ce que le prophète... Si, je te vois. Si, Dieu te voit. C'est pas à vous de me perturber, c'est pas à vous de m'emmerder. Laissez Dieu vous aider. Et c'est cela que par moment, dans d'autres ministères, vous dites des choses que vous avez envie d'entendre. Et puis par moment, vous ne voyez pas l'accomplissement et vous êtes toujours choqué. Non. Moi, je ne dirais pas ce que tu as envie d'entendre. Je vais t'apporter une aide spirituelle. Peu importe le temps que ça mette, je t'apporterai quelque chose. Pour qu'au sortir d'ici, que toi-même tu comprennes, Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Amen. Amen. Ma préoccupation maintenant, c'est est-ce que réellement tu es venu pour quoi? Pourquoi tu es là? Ok. Peut-être pour une délivrance, d'accord? Pour une guérison. Mais il n'y a plus que ça. Amen. Amen. Il n'y en a plus que ça. Il y a la présence de Dieu en toi. Ça, c'est beaucoup important. On dit amen. Amen. Et pas que tu as d'abord Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Parce que ce n'est ni du fétichisme, ni du maraboutage. Amen. Si Dieu veut agir, si Dieu veut délivrer, il faut que d'abord tu aies Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur. Les gens commencent à venir pour un miracle, pour une révélation quelconque, mais ils n'ont pas eux-mêmes besoin de Jésus. Ça ne les intéresse pas, Jésus. Amen. Si Jésus ne vous intéresse pas, il ne fera pas de grandes choses pour vous. Amen. Vous devez vous convertir. Et ça, c'est important. Et si vous avez vraiment Jésus, le même Jésus accomplira des grands signes dans vos vies. Parce qu'il n'a pas changé. Amen. C'est vrai, une révélation, ok. Il n'y a plus que ça. Il y a le salut de ton âme. Amen. Dieu est capable d'agir. Dieu est capable de décanter des grandes situations.
Dieu est capable d'opérer des grandes choses encore. Moi, je crois au miracle. Mais est-ce que ce cœur est prêt à accepter Jésus? Est-ce que ce cœur est prêt à marcher avec Jésus? Et ça, c'est tout ça, c'est important. Amen. C'est pour ça que par moment d'autres, le miracle de d'autres, c'est rapide. Par moment d'autres, ça met du temps. Amen. Parce que d'autres viennent justement pour un miracle. Ils viennent justement pour une révélation. Que Dieu décante une situation, la vie chrétienne ne dit rien aux gens. Dieu qui délivre pour servir. Pas pour servir le diable. Amen. Amen. Non, Dieu vient te sauver pour que tu puisses le servir. Pas pour continuer à servir le diable. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. Oui, ça c'est clair. Donc si Dieu ne voit pas ça en toi, il sera difficile même pour que le prophète voit des choses cachées. Parce que ce que Dieu veut de toi, c'est ton cœur. Amen. Amen. C'est pour ça que par moments, ça met du temps. Vous savez, moi j'aime pas, je ne me mets pas concentré de parler. J'ai vu, j'ai dit, fabriquer les choses de nos gens. Je vais dedans. Mais si il te dit qu'il a vu, c'est qu'il a vu. Voilà. Je vais dans du vrai, pas dans du faux. Amen. Amen. La conversion, elle est importante de tout ça. La conversion, il faut que ce cœur-là soit converti. Si ce n'est pas converti, ils vont te manger un garba, les sorciers. Amen. Amen. C'est tout. Nous avons vu hier l'enseignement, la lecture d'hier. C'est David, c'est Saül qui avait plus peur de David. Parce que l'Éternel s'était retiré de lui. Saül avait plus peur de David. Parce qu'il sentait dans David la présence, savait que Dieu était avec David. Et quand Dieu est avec toi, frère, tout ce que l'ennemi fera, tout ce qu'ils vont faire là, ça va échouer. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Tout ce que Dieu a besoin de toi, ce qu'il a même besoin, c'est que tu puisses vraiment avoir Jésus comme sauveur. Et Seigneur personnel. C'est pas une question d'aller à l'église. C'est pas une question d'aller à l'église. Hein. C'est pas une question de. Réellement, c'est pas une question de. Je vais à l'église. Hein. C'est est-ce qu'on a. On l'a fait directement dans notre vie. Parce qu'il y a aller à l'église et puis avoir Jésus. Alléluia. Si on a véritablement Jésus, c'est fini. Lui s'occupe du reste. Parce qu'on ne vient pas à Jésus-Christ délivré, on vient à Jésus posséder. Avec tous nos soucis, tous nos trucs, tout ça. Et c'est lui qui nous délivre. Amen. Quels sont ceux qui ont vu des songes cette nuit, qui ont dormi, qui ont vu des choses? Quels sont ceux qui sont là pour des retraites? Levez le doigt. Je suis en train de livrer un combat par rapport à Omar et sa nièce. Le combat il est trop terrible. Je suis bien aussi vite, mais je la victoire au nom de Jésus. Amen. C'est des petits. Vous encore va finir la semaine là, vous allez voir des impuissants résultats. Amen. Amen. Je les ai maintenus ici parce que si on les laissait partir, il allait avoir un grand danger. Ce monsieur, je l'ai appelé la dernière fois. C'est pour ça que c'est intéressant. D'avoir des contacts avec nous aussi. Je l'appelais, il dit, j'ai dit hier, tu touches à ta voiture, tu meurs. Je lui ai dit ça hier, lui. J'ai dit, si tu touches à ta voiture, tu es un homme mort. J'étais dans le lit quand je l'appelais. J'ai appelé, il dit, appelle le monsieur, voici, si tu touches à sa voiture aujourd'hui, là, il est un homme mort. J'ai demandé de venir immédiatement. Et c'est ça qui est plus important. C'est pour ça que quand vous êtes dans un guide spirituel, quand quelque chose doit arriver, Dieu révèle ça au guide. Amen. Amen. Cette semaine, l'ennemi a déjà préparé les choses. Des gars, elle a déjà préparé des choses contre toi pour te limer propre. Ouais. À ce sujet, on ne les dérange pas comme ça. Vous voyez, c'est ça que c'est ce qui est plus important. C'est-à-dire, quand vous vous donnez, là, convertissez-vous. Amen. Vas-y, ne pensez pas que c'est le prophète qui vous protège. Vous allez vous retrouver dans une situation, dans un endroit où ça appartient au diable. C'est-à-dire, une situation de péché. Donc, Satan dit, mais tu sais, lui, il a rempli des péchés, tu peux quoi? Laisse-moi le manger. Elles ont faim. Par exemple, tu manges pour tout, elles sont graines, pieds de porc. C'est pour ça qu'ils ont mis de manger. Quand ils te voient, ils te voient en biche. Lui, te manger sans graines. C'est pour ça que quand tu es dans un combat spirituel, il faut éviter des endroits de péché. C'est-à-dire des endroits comme tu sais que là-bas, là, ça n'en a pas Dieu. Il faut quitter là-bas. C'est l'autorité de Satan. Il peut même t'avoir. Amen. Il y a deux camps. Où c'est le camp de Satan ou le camp de Dieu?
Et quand tu es dans un combat spirituel, il faut éviter. C'est-à-dire, quand tu es dans un combat, il faut éviter au maximum des endroits de péché. Évite au maximum de commettre des erreurs. Parce que l'ennemi tiendra compte de ça pour t'attaquer. Toutefois qu'Israël désobéissait à la voix de Dieu, Dieu lâche Israël. La seule chose qui peut permettre à Dieu de s'éloigner de toi, c'est le péché. Si tu avais que l'ennemi a frappé puis tu as eu, c'est que toi tu es sous l'interdit. Tu avais quelque chose qui n'a pas honoré le nom de Dieu. D'autres pensent que non, comme le prophète prie pour moi, c'est fini. Non, hein? Tu n'as pas. C'est de rester dans l'obéissance de la parole de Dieu. Sinon, l'ennemi va t'avoir. Amen. Amen. Quand vous lisez le livre de Deutéronome, à partir du chapitre 28, le verset 7. Deutéronome. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, voici tes ennemis. Non, 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 Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. C'est-à-dire, si, au contraire, le contraire, si tu n'obéis pas à la voix de l'ennemi, il sera difficile que Dieu te donne la victoire sur tes ennemis. Tu veux échapper à quelque chose, hein? Et je pense même que Dieu sa grâce sur ta vie. Amen. Amen. On aura l'occasion, je t'ai demandé de venir parce qu'on aura plein de choses à échanger. Quels sont ceux qui partent matin? Oui, tout à l'heure on va échanger. Il y a des révélations qu'on ne doit pas forcément faire publiques. Voilà. Je ne suis pas les gens qui donnent des révélations parce qu'on est détendu. Amen. Mais quand le prophète te dit c'est fait, il faut croire ça. Non, c'est-à-dire. Ah, c'est-à-dire. Quand le prophète te dit c'est fini, tu ne cherches plus à poser quoi que ce soit comme question. Il faut agir par la foi. Amen. Amen. Voilà. Quand le prophète te dit c'est fini, c'est que tous tes problèmes. Parce qu'il y a des gens, quand tu dis c'est telle personne, c'est fini. L'aspect délivrance, il retient plus ça. Il va chercher à savoir pourquoi il dit c'est jamais tué. Il a fait quoi? Vous avez un souci pour lui. J'ai fait quoi même aussi? Ce vieux-là. On dit, Dieu t'a délivré de la main du vieux. Et tu vas rester en train de dire, donc c'est tout cela. Mais le vieux est méchant. Hein. Et tout ce qu'il fait, il n'a pas l'idée de connaître ça. Le prophète, c'est fini. Et comme tu sais que c'est le vieux, toi, commences à régler tes problèmes personnels. Hein, le vieux. Je l'interdis, je ne vais plus donner manger, c'est fini ça lui. Mais on t'a dit, c'est délivré. C'est pour ça qu'avec l'expérience dans le ministère, Dieu nous donne la sagesse. Il y a des choses qu'on ne partage pas souvent aux gens. Il faudrait qu'il retienne l'essentiel. Dieu dit c'est fini. C'est-à-dire que le combat était déjà géré. Est-ce que vous m'avez bien saisi? C'est ça qu'on est un cabinet d'écoute et de délivrance. On prend le temps de t'écouter et dans le secret, il y a un combat qui se mène. On finit le combat, on te dit, frère, c'est fini, va. Mais pars avec Jésus. Est-ce que vous m'avez bien saisi? Oui. C'est pas pour aller boire un balai, c'est balétiser, chercher à te balétiser dans les coins. C'est chercher à marcher à Jésus. Amen. Amen. C'est ça. Ici, c'est le christianisme. Notre ministère est basé sur le christianisme. Il y a un principe. Tu ne le suis pas, lui te donne d'eau. C'est clair. Tu ne cherches pas à marcher à lui, il marche à pas à toi. C'est toi qui as besoin de lui. C'est toi qui es chougouya. Quand on va manger, lui, il n'a rien à voir avec ça. Lui, tu peux te protéger. C'est toi qui sens poisson thon, chougouya, cabri. Dieu ne sent pas tout ça. Donc, toi, tu as intérêt à marcher avec Dieu. C'est bien dit aux gens, mais vous gagnerez plus en marchant avec Dieu. Ça va permettre d'économiser vos histoires de bière. Vous buvez dans maquis vaincu là. Ça va permettre d'économiser un peu. Ça fait quoi? Les petits là où vous arrachez tous vos argent. L'argent. Quand vous dépensez, vous avez quatre copines. C'est pas l'argent du dernier dépensé. Mais c'est prêt. Tu as dépensé ici, tu as menti ici. Tu as venu mentir ici. Tu es devenu un expert en mensonge. Excusez-moi, tu es toujours en train de te déshabiller. C'est pas la sorcellerie dans tes mains. Les plus grands déshabits, c'est les sorciers qui t'habillent toujours. Chaque jour, tu te déshabilles, t'es en train de te déshabiller dans l'hôtel. C'est pas sorcellerie. Et puis, tu dis non, sorcier m'attaque. Mais il va t'attaquer. Chaque jour, t'es en train de te déshabiller. Tu sais quelle fille qui est en face de toi. Donc, vous avez intérêt même à vous donner à Jésus. Vous gagnerez plus, mais ça vous permet d'économiser. Avoir une vie saine. Ça vous évite beaucoup de choses. Donc, Jésus même, c'est trop bon. Amen. Dis à quelqu'un, Jésus est merveilleux. Amen. Amen. On dit amen. Amen. Voilà, donc cette journée, quels sont ceux qui sont en jeûne? Voilà, oui. Alors, tout à l'heure, on a un entretien. J'aurai un entretien maintenant quoi? On a un entretien tout à l'heure. La secrétaire tout à l'heure va prendre le temps. Vous êtes en jeûne. Quels sont ceux qui sont en jeûne? Ah, c'est bon. Mais la vie est en jeûne. Vous aussi, je suis en jeûne. Ça fait 12 jours. D'accord.
fils de Bissé. Qui est près de la vieille? C'est qui? Elle aussi est jeune? En jeune? Si, tu as jeune. Oui, t'as déjà mangé. Non, c'est moi qui conduis. Tu as bien mangé ce matin? Ok. Comment? Oui. Si. Comment on mange? Si, j'ai mangé. Amen. Tu as jeûne aujourd'hui. Pour ceux qui jeûnent, on aura l'occasion, tout à l'heure, on aura l'occasion de s'entretenir avec vous. Mais laissez-moi vous aider. Parce que quand vous venez ici, tous les esprits m'attaquent. Je passe toute la nuit en train de prier pour vous, vos dossiers. Je suis un être humain. C'est pas moi qui ai la solution. C'est Jésus. Moi, je fais un miracle. Et je suis convaincu que Dieu ne lâche pas ceux qui sont en difficulté. Je suis convaincu qu'il pourra vos besoins. Amen. Pas le crasso. Mais le Jésus puissant ouvrira vos besoins. Amen. Si seulement vous voulez que Dieu vous conduise vos vies. Et c'est ça, c'est un deal. Qu'est-ce qu'il prend de toi? Toi, tu veux recevoir tout de lui. Mais lui, gagne quoi? Il a besoin de ton cœur. C'est ça, Dieu. Non, je veux qu'il me délivre, mais qu'est-ce qu'il veut? Il a besoin de ton cœur, il a besoin de ta vie. Les gens ont besoin de révélation, ça leur dirait. C'est mon papa, ah, ok. Puis tu vas guiser ma chair pour l'attendre. Pour... Alléluia. Amen. Et Dieu bénisse. Amen. On aura tout à l'heure l'occasion de changer. Vous êtes dans un combat très terrible. Donc ne jouez pas à ça. Il faut qu'on vous mette en jeûne. Maintenant, la même là. Vous ne mangez plus jusqu'à demain soir. Oui. C'est une question de vie et de mort. Ce combat là. Si moi, on vous amène le fil, vous allez me dire peut-être qu'on fait laisse ça. C'est des vies qui sont en danger. Et ce n'est pas les petits esprits. C'est de la sorcellerie et du médicisme qui sont dedans. C'est des vies qui sont sacrifiées aux démons, aux esprits. Et je suis en train de délivrer des vies. Donc comprenez quelque chose. S'ils ne sont pas véritablement atteints, ces personnes-là, il sera difficile pour vous. D'ici deux semaines, d'être encore vivant. Donc ne jouez pas à ça. Quand vous êtes ici, vous devez penser à la prière. Amen. Amen. Voilà, donc que Dieu bénisse. Amen. Bonne journée. Nous allons nous organiser tout à l'heure. 9h, réception. Tout à l'heure, à partir de 16h, il y aura l'intercession. L'intercession commence à partir de 16h jusqu'à 18h. À partir de 19h, nous allons commencer un enseignement comment détruire la destruction des œuvres de la sorcellerie. Amen. Amen. Nous tenons debout. Je vais commencer d'abord par ceux qui doivent partir. Ils ont fini leur retraite, ils doivent partir. La secrétaire va faire rentrer tout à l'heure et j'aurai l'occasion de changer avec vous. Amen. Amen. Te rendons toute la gloire. Merci, toi qui es vivant, et merci, notre Dieu. À toi seul la gloire. Merci pour la manifestation de ton pouvoir. Merci, la justice, la lumière et tout ce monde. Nous voulons te rendre toute la gloire et notre Dieu. Merci encore pour la délivrance que tu accordes à ces bien-aimés. Et merci d'agir pleinement dans la vie. Nous comptons sur ta souveraineté, ta main. Merci. Et c'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen.